Vous êtes là, hein? Oui. On va ranger, ranger le cours, ça. Ça, c'est ma brosse à dents. C'est ton dentifrice ou ta brosse à dents? Ma brosse à dents. Eh ben, ça tourne. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du rangement de mes courses. Comme vous savez, moi j'ai fait mes courses une ou deux fois par mois. Du coup, j'ai tellement le grand retour des courses à faire. Le rangement juste après, ça me fatigue. Aujourd'hui, j'ai l'aide de mes enfants. J'aime tellement quand ils m'aident à ranger les courses parce que ça va tellement vite. Je vais commencer par ranger déjà les spaghettis que vous avez vus. Je vais utiliser les boîtes Live 8. Franchement, la famille, ces boîtes, ça me sauve la vie. Déjà, ça prend moins de place et ça conserve bien la nourriture. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Vous allez voir, j'arrange du pâte, la farine, surtout des céréales. Ça perd pas les goûts. La famille, je vous rassure, n'hésitez pas à prendre ces boîtes, ça conserve bien. Tellement que les couvercles sont hermétiques, donc ça conserve vraiment bien vos aliments. Ça va pas perdre le goût. Voilà. Là, mon fils, il a rangé tout ce qui est pizza. Vous savez, les cartons de pizza, ça prend la place au congélateur. Si vous commencez à ranger ça sans déjà les cartons, vous allez voir, vous allez garder beaucoup de place dans vos congélateurs. Voilà, pareil, les boîtes que je vais mettre, les petits goûters, vous voyez les goûters quand c'est dans des emballages comme ça, c'est pas vraiment facile quand les enfants ils ouvrent pour fermer après. C'est tout un problème. Du coup, moi, j'utilise des boîtes de conservation, pareil, ça vient de chez Ikea, ça conserve aussi bien. J'ai déjà testé, ça fait longtemps que j'ai ça. Quand vous mettez vos goûters, les goûters des enfants comme ça, et surtout, ce qui est bien, dès qu'ils prennent le goûter, ils sont obligés de fermer quand même. Des fois, ça arrive, des fois, ils ne ferment pas bien. Ce que moi, je fais, à chaque fois qu'ils prennent, je regarde juste après et pour voir si c'est bien fermé ou pas. Voilà, je garde même des petits madeleines, ça conserve bien la famille, ça ne perd pas les goûts. Et surtout, quand vous, comme vous savez, des madeleines, quand ça prend l'air, ça devient un peu sec, mais avec une boîte de conservation, vous allez voir, ça garde vraiment bien. Pareil, les cookies, je mets aussi dans une boîte de chez Ikea, ces boîtes, ça vient de chez Ikea. Ça conserve aussi bien, c'est pas la pipe. Voilà. Ensuite, le reste de réserve de goûter des enfants. Moi, j'utilise des boîtes comme ça, ça. Des boîtes, ça vient de chez Action. C'est vraiment bien parce que ça optimise la place déjà. Et quand vous mettez dans les étagères ou dans vos placards, ça fait tellement beau à voir. Du coup, vous allez voir que votre rangement, ça sera toujours au top. Voilà, ça conserve vraiment bien. Et surtout pour optimiser la place, n'hésitez pas à utiliser deux rangements, à utiliser deux boîtes, à utiliser des sacs de congélation. Ça aide beaucoup la famille. On continue avec notre rangement. Là, je vais juste mettre les surgelés. Tout ce qui est frites, cordon bleu, j'utilise des sacs de congélation réutilisables. J'ai déjà parlé de ça, c'est bien ces sacs de congélation réutilisables. Vous avez juste à aspirer et il y a même des boîtes aussi. Pareil, c'est aussi, vous pouvez aspirer, ça conserve vraiment bien. Je vous recommande ça aussi à 100% parce que j'ai déjà testé. C'est juste les sacs de congélation, vous savez, quand vous n'avez pas encore décongelé et que vous ouvrez directement, ça abîme les sacs. Donc, du coup, ce que je vais vous conseiller, dès que vous avez, si vous achetez ces sacs, avant d'utiliser, d'ouvrir, il faut vous laisser que vos aliments soient décongelés. Comme ça, vous allez bien ouvrir. Si vous ouvrez quand c'est congelé, ça déchire les sacs. Donc, ça va finir à la poubelle. Voilà, je sais que ça coûte cher. Deuxième option, vous pouvez aussi utiliser des sacs de congélation jetables. Les modèles que j'utilise, j'avais acheté ça à 10. Vous pouvez en trouver partout, dans de grandes surfaces, dans le magasin des déstockages alimentaires, vous pouvez vraiment en trouver partout. C'est bien de mettre vos surgelés dans les sacs de congélation. Déjà, ça conserve vraiment bien. Et en plus, ça prend moins de place et ça fait joli. Hein. Ça fait joli vraiment au lieu de garder des sacs de grande surface. Comme le code de chimie que j'avais acheté, vous voyez. Si j'avais mis juste la boîte au congélateur, ça allait me prendre vraiment la place au congélateur. Mais quand vous utilisez des sacs de congélation, je sais, c'est pas facile. En revenant des courses, d'arranger vos courses, c'est pas facile. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire ça les mêmes jours. Vous pouvez faire le surgelé déjà, vous pouvez faire les mêmes jours parce que ça va vous faciliter quand c'est congelé déjà pour mettre encore décongelé et mettre au sac de congélation. C'est pas vraiment bien. Je vous conseillerais vraiment le premier jour, vous pouvez faire déjà les surgelés et les lendemains, vous pouvez faire le reste de vos courses.
Ça va vraiment vous aider à optimiser vos espaces. Je vais vous montrer juste le rendu de mon frigo bien rangé, propre. J'ai vraiment optimisé. Voilà, même les fruits et légumes au frigo, je mets pareil, j'utilise des boîtes. La famille, des boîtes, il y en a pour tous les prix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter plus cher, même avec le moins cher, vous pouvez toujours vous organiser. Voilà, même sans des boîtes de rangement, vous pouvez toujours ranger, surtout dans du congélateur coffré. Il y a vraiment des trucs, ça fait longtemps que vous n'avez même pas touché à ça et c'est dans vos congélateurs. Évitons vraiment de faire ça, c'est mieux d'organiser, c'est mieux d'utiliser surtout des sacs de congélation, les mamans. Je vous jure, ça va vous aider, ça va vous aider. Déjà, c'est transparent, vous avez la possibilité de voir déjà tout ce que vous avez, tout ce que vous n'avez pas. Voilà, ça va vraiment vous aider. Pareil, le jus, actuellement, j'utilise, je garde toujours des bouteilles des grandes surfaces. Avant, j'utilisais des bouteilles que je mets des sirops et des lots. Sauf que si vous prenez pas tout de suite, ça abîmait vraiment, ça gardait pas longtemps le jus. Du coup, je mets pas parce que à chaque fois que je mettais, il fallait que ça finisse juste un peu à la poubelle. J'aime pas trop ça. Du coup, je garde deux bouteilles de grande surface. Regardez mon frigo, c'est bien rangé, c'est propre. Deux vidéos comme ça, c'est juste pour se motiver. Je vous montre pas tout ce que moi j'ai acheté. Je vous montre juste les rendus. Ne regardez pas tout ce que moi j'ai. Avec ce que vous faites pour vos courses, vous pouvez toujours ranger ça. C'est vraiment juste à ranger. Regardez, partie congélateur, c'est aussi bien rangé avec des sacs de congélation. Vous avez la possibilité de voir déjà tout ce que vous avez parce qu'avec les sacs de congélation, on voit tout ce qu'on a au congélateur. Regardez-moi ça. On voit bien que c'est les cordons bleus. Il y a les frites juste à côté. Il y a l'haricot. Voilà, j'ai vraiment la visibilité de tout ce que j'ai au congélateur, c'est vraiment bien de faire ça. Pareil, tout à moi, je mets les nuggets, je mets les fricandelles. Vous voyez vraiment tout ce que vous avez. Utilisez déjà des sacs de congélation. Je sais, des boîtes, vous allez dire, si je prends 5 boîtes, ça va me coûter cher. Mais avec les sacs de congélation, si vous prenez un ou deux paquets, c'est moins de 2 euros. Et vous avez la possibilité d'organiser vos congélateurs. Regardez, c'est vraiment bien, c'est propre. J'insiste vraiment, la famille, les mamans, n'hésitez pas à faire ça. Conservez avec les sacs de congélation, ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider au quotidien déjà. Vous allez voir que vous allez de moins en moins gaspiller. Voilà, c'est vraiment bien rangé. Même le coffre, pareil, je mets les viandes hachées, les steaks. Les steaks déjà, c'est dans les sacs de congélation. Vous avez la facilité. Là, j'ai juste mis mes oignons coupés, j'ai mis les piments. Comme moi, je fais une grande quantité de piments. Ensuite, je vais faire sortir petit à petit. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer. Partie congélateur, parce qu'on va continuer. Vous allez voir aussi les celliers, mon garde-à-manger, là où je stocke mes courses. Vous allez voir ça. Je sais même pas si je me suis présentée. Moi, c'est Stella. Maman du 3, j'ai fait ce genre de vidéos. C'est juste pour se motiver. Je vous motive, moi aussi de mon côté, ça me motive beaucoup. Et surtout quand vous m'écrivez les retours que j'ai, ça me motive énormément, la famille. Si c'est la première fois que vous passez par ici, surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, commenter la vidéo, activer votre cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je publie une vidéo, ça va vous motiver en plus. Et voilà, je publie 3 vidéos par semaine jusqu'à présent. Si vous me motivez, si vous me donnez la force, si vous partagez la vidéo, ça va continuer ainsi. Voilà, mon parti scellé, pareil, c'est bien arrangé. Les boîtes que je vous ai dit tout à l'heure, ces boîtes, franchement, la famille, ça m'aide beaucoup. Ça me sauve la vie.
Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai les liens. C'est des boîtes Dell Life 8. Je vous mettrai aussi les liens dans la barre de description si vous voulez passer vos commandes. Franchement, c'est pas cher, mais ça conserve bien. Et surtout, ce que j'aime de tout, ça optimise l'espace, ça prend pas la place, la famille. Et surtout, des couvercles aussi, sont des couvercles hermétiques. C'est vraiment bien, ça aide beaucoup au quotidien. Mais je l'ai disposé comme ça. Avant, je mettais dans des boîtes, j'ai trouvé que ça me prenait la place. Et donc, j'ai déclassé la boîte, j'ai juste mis les bouteilles comme ça, comme dans des grandes surfaces. Comme vous voyez, c'est comme si je faisais des courses à chaque fois. À chaque fois que je fais sortir des trucs dans mon cellier, c'est comme si je faisais des courses, tellement que c'est propre, c'est bien rangé. Ne vous en faites pas avoir des enfants ou pas. Si vous arrangez comme ça, si vous organisez, vous allez voir, ça reste bien propre comme ça tous les mois. Je vous jure, ça reste comme ça. Du boîte de chez Action, je mets les pains au lait, les brioches, ça m'aide beaucoup quand je mets dans des boîtes comme ça. Et surtout, j'ai la visibilité. À chaque fois que j'irai faire mes courses, je juste à regarder vite fait. Je sais déjà qu'il n'y a plus de pain. Si je vois déjà la boîte est presque vide, je sais que bon, j'ai moins de pain dans mon cellier, dans ma garde à manger. Voilà, c'est comme ça. Pareil, des boîtes de tomates, je mets dans le boîte là. Ça m'aide beaucoup déjà si je vais utiliser. J'ai la facilité d'y prendre. Voilà, la famille, j'espère vraiment que vous aimez ces genres de vidéos. Moi, j'aime tellement regarder des vidéos d'organisation comme ça. Ça m'aide aussi beaucoup. J'optimise, je garde ma maison propre, je nettoie bien ma maison. Vous ne pouvez pas faire ça en un jour, je suis sûre. Si vous n'avez pas l'habitude de ranger comme ça, vous ne pouvez pas faire en un jour. Faites déjà avec ce que vous avez. Organisez déjà. Jetez déjà tout ce que vous n'utilisez pas. Désencombrez, c'est la base, la famille. Si vous désencombrez la maison, vous allez voir votre maison, ça va rester toujours propre. Ça va rester toujours propre. C'est des trucs qu'on stocke, qu'on n'utilise pas. Ça nous prend la place pour rien. Regardez, même la lessive, pareil. Je mets dans des bouteilles comme ça. Je trouve que ça m'aide beaucoup. Le bouteille d'eau, je mets comme ça. Au lieu de laisser dans le bac, ça m'aide aussi beaucoup. Et j'ai l'espace pour stocker mes casseroles. J'aime tellement la famille. J'aime tellement organiser ma maison. J'aime tellement être mieux. J'aime tellement se sentir à l'aise chez moi. Parce que je passe beaucoup du temps chez moi. Donc, j'aime que ça soit propre, j'aime que tout soit organisé, j'aime que tout soit ordonné. Ça libère l'esprit, la famille. Ça libère l'esprit. Dites-moi dans les commentaires si, après cette vidéo, quelle pièce dans votre maison ça vous a motivé de décorer ou d'arranger. Écrivez-moi sur les commentaires, ça m'aide beaucoup. Si je vois que mes vidéos, les vidéos que j'ai faites, ça m'aide beaucoup. J'ai déjà quelque chose dans ma tête que je vais commencer à faire. Vous verrez ça, regardez les sacs poubelles, tout ce que j'ai stocké, tout ce qui va à la poubelle, les cartons, les sacs de grande surface, les emballages de grande surface. J'ai pris des sacs de poubelle pour tout mettre. Imaginez maintenant si vous mettez tout ça dans vos garde-robes, tout ça dans vos congélateurs. Voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo ça vous a plu et que ça va vous motiver. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas la prière. Bye bye!